Et parmi les révélations de cette coupe de beach soccer, Heiro Ari Salem incarne la relève des Tikitoa. Milieu de terrain de l'AS Pirée et ancien membre de la sélection tahitienne, cette jeune étoile montante de 25 ans compte déjà deux coupes du monde à son actif. Son portrait nous est brossé par Laure Philibert. Va-t-il réitérer la belle performance réalisée lors du match d'ouverture avec 6 buts contre l'équipe de Tonga? Heiro Ari Salem porte les espoirs du public et de ses coéquipiers à quelques heures de la finale de la Coupe d'Océanie des Nations de Beach Soccer. Un engouement qui stimule le jeune homme. Et le coach a dit, hein, c'est beaucoup se prendre plaisir pour engendrer de la confiance et tout. Mais c'est aussi être humble. Et être humble, c'est marquer. Il ne faut pas se rabaisser au niveau de l'autre équipe, c'est élever notre jeu et voilà, c'est rester humble, c'est tout. Ça a bien fonctionné. Voilà. Ça a très bien fonctionné, mais tout ça c'est collectif. Voilà. Ça, on a très bien travaillé collectivement avec les joueurs et surtout avec le staff. Heiro Ari Salem n'en est pas à ses débuts au sein de la sélection. Il suit l'équipe depuis 2017 et a participé aux Coupes du Monde de la discipline en Russie en 2019, puis au Paraguay en 2021. Il est devenu l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Ça devrait être un exemple pour les jeunes, de rien lâcher justement et de continuer à persévérer, à travailler dur. Parce qu'au final, on voit aujourd'hui que ça paye. Il fait partie d'un des cadres maintenant de l'équipe, malgré son jeune âge. Il commence à faire sa place et à gagner en maturité et surtout de vraiment se faire une place de titulaire dans notre effectif. Et on le voit tout au long de ce tournoi, qui fait un excellent tournoi, il survole le tournoi. Donc c'est bien, il faut qu'il continue comme ça et nous, à nous les cadres derrière, de faire en sorte qu'il continue à progresser tout en gardant, comme on l'a dit, nos valeurs qui sont le respect et l'humilité. Pour Teva Zaveroni, son coach, le footballeur n'a pas fini de nous surprendre. Il a des qualités énormes et je pense qu'il a une grosse marge encore de progression. Et voilà, ben après ça c'est le travail, hein. C'est la volonté, c'est la passion. Et je pense qu'il est soutenu aussi par ses parents, sa famille. Et c'est important. C'est important et moi je lui souhaite tout le bonheur, hein, dans ce sport. Et après c'est normal un peu des fois qu'il bascule vers le football à 11 parce qu'on n'a pas vraiment un grand championnat de beach soccer. C'est ce qui nous manque en fait si on veut vraiment aller chercher ce titre de champion du monde. Mais je suis confiant, je reste persuadé que nos jeunes ont des qualités et qu'il faut surtout bien les encadrer et bien structurer l'organisation. S'ils décrochent leur ticket pour la 22e Coupe du Monde en novembre, c'est à Dubaï que les Tikitoa affronteront les plus grands joueurs de la planète.